Salutations bande de marsouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo matinale, donc je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Mais c'est une vidéo bonus pour vous faire découvrir comment vous pouvez gagner un skin Project de l'ancienne génération, donc Metroid, Fiora et tous les autres, gratuitement, enfin presque gratuitement. Donc, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, vous devrez avoir 5 Project Core et les 3 icônes. Enfin, en gros, vous avez acheté les 3 coffres ici, et normalement vous ne savez rien en faire parce qu'il vous manquait 2 Project Core comme ceci. Mais aujourd'hui, on a reçu les... Enfin reçu, il faut l'acheter. Le Disruption Icon pour avoir un autre skin, mais Project de l'ancienne génération. Donc, on va le faire ensemble. Normalement, vous avez le même cas de figure que moi. Si vous ouvrez votre coffre, vous recevez 7 Project Core. Ça, c'est la base. C'est ce qui est prévu là-dedans. Si vous avez vu mon ancienne vidéo sur ça, vous avez remarqué. Et hop, là, ici, voilà. J'ai reçu Maître Yi. Ben, ça pouvait être Fiora, ça pouvait être Lucian, ça pouvait être Zed, ça pouvait être n'importe lequel. C'était aléatoire. Et un cadeau en plus, voilà, parce qu'ils sont gentils. D'ailleurs, je vais ouvrir un coffre. Et on va l'ouvrir ensemble. Allez, soyons fous. Voilà, on va forger. On va gagner 2 skins. Ça va peut-être me permettre de débloquer le Maître Yi par la suite. Voilà. Hop, on l'ouvre. Parce qu'on est des putains de thugs. Alors on reçoit je l'ai déjà de toute façon. Et on reçoit je l'ai aussi. Donc on s'est fait carotte, c'est pas grave. Ah attendez. Ah et 2 Project Core, bon c'est pas si mal. Du coup ça m'en fait 7, ça va pouvoir me permettre de faire autre chose. Donc voilà, c'est très simple. Vous avez donc maintenant 14 Project Core, enfin du moins plus qu'une dizaine. Et vous avez le personnage ici. Donc, au lieu de forger les 3 icônes des skins Project de maintenant pour avoir le cadre et l'icône, vous pouvez forger donc l'ancien personnage. Bien sûr, il vous faut le champion, hein. Ne faites pas ça si vous n'avez pas le champion. Bon, tout le monde a Metroid, hein, c'est le champion de base. Voilà, vous fusionnez. Et vous recevez, pas le skin, mais le plan, on va dire, voilà, que vous pouvez ajouter. Et ici, vous avez le Metroid qui est gratuitement dans votre inventaire. Il suffit de l'activer. Mais par contre, il vous faut 1500 essences orange. Donc c'est beaucoup. Mais c'est plus facile d'avoir des essences orange parce que ça ne coûte pas d'argent. Si vous gagnez des coffres avec des clés un peu comme moi, vous voyez, j'ai 5 coffres, j'ai 2 clés. Ou alors vous désenchantez des personnages comme ça. Moi personnellement j'ai les 2 skins donc je m'en fous. Voilà, donc je désenchante, tu gagnes un skin, tu le désenchantes. Ici je vais faire pareil. Voilà, on désenchante. Forcément plus le skin a de valeur, plus tu gagnes d'essence orange. Et vous voyez, moi ici je suis à 791. Donc je suis quasiment à la moitié pour pouvoir avoir le Metroid gratuitement. Bon, je dis gratuitement, mais acheter toutes les boîtes plus la fin, les coffres plus la dernière vous coûte 3750 PI. Mais un skin Project coûte assez cher, genre 10 ou 15 euros, je pense. Donc, ici, c'est une méthode pour l'avoir gratuitement. Bon, c'était une vidéo du matin. C'était une vidéo que j'ai fait vite fait pour justement éviter que les gens dépensent de l'argent pour acheter un skin Project s'ils en avaient envie, alors qu'ils pouvaient en avoir un gratuitement. J'espère que la vidéo vous sera utile. J'espère que j'étais assez clair dans les explications. J'espère que vous avez assez d'essence pour avoir le personnage. Moi, je vais le garder, hein, même si je ne joue pas beaucoup Metroid. C'est un skin Project qui est gratos, donc je ne dis pas non. Sur cela, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances. Si vous êtes toujours en vacances, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.